La dernière conférence que nous avons eue, portant sur les thématiques variées, va sans nul doute dégager des orientations et impulser des directives sur le terrain. L'implantation, la consolidation et le rayonnement des activités du parti, conduisant ainsi à contribuer à asseoir une valeur républicaine, à dépouiller l'espace public de l'ensauvagement tout en construisant un fonds de valeur reposant sur l'équilibre. Pour ma part, ému par les principes mutualisants, innovants et fécondés par l'esprit de l'identité républicaine, de l'AFP rénovée, ensemble pour nous tous. Nous pouvons y, je crois, nous croyons, vous croyez, tout faire pour l'émergence des leaders locaux. Asseoir la souveraineté populaire, permettre aux jeunes à partir de 15 ans d'avoir des activités qui leur permettent de penser à leur avenir, à leur devenir et au vivre ensemble. Ce sont les fondamentaux que nous avons vus ici ce soir, dont les coordinateurs régionaux, les secrétaires nationaux, le présidium, ont pu analyser pour que la politique puisse se faire autrement. Et nous avons penché surtout sur le fait que cette animosité qu'on voit en politique aujourd'hui, il faut bien qu'il y ait des initiations, des initiatives qui puissent permettre de mettre ça de côté et de parler en tant que Camerounais et de parler en tant que des faiseurs de paix, de parler pour que nous sachions que vivre ensemble, c'est un devoir pour nous. Mais je lance ici un appel aux historiens, aux anthropologues, aux sociologues, aux philosophes camerounais pour dire que l'heure est venue pour nous de bâtir l'identité camerounaise. L'identité camerounaise se bâtira parce que nous, les politiques, nous nous serions posés sur les analyses de ces différents spécialistes qui sont nombreux au Cameroun, mais qui n'ont pas connu une volonté politique de mettre leur science au service du Cameroun. Pour certains, ils l'ont mis au service du pouvoir, mais pas du Cameroun. Nous appelons tous ces gens qui sont importants pour la politique de demain, qui sont importants pour que nous puissions bâtir un nouveau Cameroun avec une identité propre. Évidemment, nous avons eu des échanges, nous avons eu des richesses venues d'ailleurs. Nous devons y retirer les valeurs, mais adossées sur un socle camerounais qui vient de nos us et coutumes. Et pour cela, nous avons besoin d'eux. C'est pour ça que nous leur lançons cet appel pour qu'ils nous aident à bâtir ce Cameroun qui est important pour tout le monde. Pour terminer, je voudrais dire que je suis particulièrement heureux ce soir parce que le message, le partage que nous avons eu avec nos différents membres qui sont venus de partout a permis à l'homme que je suis de comprendre qu'il y a encore matière à réfléchir, à agir dans notre pays, nous éloignant des égoïsmes pour prôner la générosité, l'esprit d'équipe. Tout cela, vous avez pu le constater ce soir, où je suis entouré des vice-présidents et vice-présidentes. Nous formons une équipe. Cette équipe, je me rends compte que je ne suis que le porte-parole.